février 1992, il y a eu une marche pacifique de chrétiens à Kinshasa qui ont été tués par les balles du président Mobutu, dictateur de l'époque. 20 ans après, nous sommes toujours dans la même situation. Le Congo est asservi par un dictateur. La situation de la population est encore pire qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on avait de l'eau, de l'électricité. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Les gens ne font que mourir. Sous l'indifférence de la communauté internationale. Donc aujourd'hui à Kinshasa, il y a une marche pour la commémoration des chrétiens qui sont tombés il y a 20 ans, mais en même temps pour demander la vérité des urnes, de la CENI démissionne, qu'il y ait de nouvelles élections qui soient réorganisées au Congo. Et voilà, nous sommes là pour soutenir les frères qui vont marcher au Congo, qui sont sous la menace des armes, sous la menace des chars. Nous aussi on est en sécurité, mais on voudrait qu'ils sachent qu'on les soutient. Pasteur Jules des églises de réveil. Et si aujourd'hui nous sommes là pas pour rien, mais nous sommes là pour ce peuple qui sont en train de mourir dans notre pays. Nous sommes là pour revendiquer le droit du peuple congolais. Nous sommes là pour que le Congo entre dans une révolution ou entre dans un niveau d'un pays des droits. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons plus des assassinats, nous ne voulons plus des arrestations arbitraires, mais nous voulons un changement total dans notre pays. C'est ça le message que je pouvais dire. Et à tout chacun de nous, le peuple congolais, là où vous êtes, ne laissez pas, ne vous laissez pas abattre, ne tombez pas, ne vous laissez pas amener dans ces choses dont les Européens veulent nous amener. Mais levons-nous, battons-nous, combattons-nous pour sauver notre pays. Merci. Nous sommes là pour commémorer déjà le souvenir de martyrs d'il y a 20 ans au Congo et pour en profiter et lancer un message fort au pouvoir usurpateur de Kinshasa pour dire que voilà, nous sommes là, nous disons non tout simplement au vol de la victoire du peuple. Le peuple a dit oui au changement le 28 novembre 2011. Donc c'est cette victoire que nous voulons qu'elle soit reconnue. C'est la victoire du changement, la victoire de l'espoir pour le peuple congolais. Et nous représentons ici le Conseil des Congolais de France, qui est un mouvement qui est né dans la mouvance de la fièvre patriotique qui anime les Congolais aujourd'hui. Nous sommes là à Bruxelles pour prêter notre main forte à nos frères qui organise la marche d'aujourd'hui. Voilà mon frère. Bonjour papa, nous sommes ici à Bruxelles pour la manifestation organisée en partenariat avec l'église catholique de Kinshasa. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu la raison de votre présence ici? Oui mon frère, je suis ici parce que je voudrais bien soutenir l'action commencée par nos compatriotes là-bas au pays. Surtout l'action commencée par l'église catholique. Je voudrais bien qu'il y ait un changement vers une justice. Une justice et un état de droit dans notre pays. Pour le moment, nous constatons que la justice est bafouée. Le droit, la protection de la vie privée des gens est bafouée. Alors nous voulions qu'il y ait un changement et qu'un jour, un avenir meilleur apparaissent dans notre pays. Nous sommes dans le pouvoir des autres Telangana. Les autres Telangana, courage et zate à reçoit pouvoir. Au type Oana, Zobawana, assez à Tamboli déjà. À commander au fan dans la Rwanda, afin d'arrêter son Akini, Tena Kongote, afin d'arrêter la Rwanda. Pouvoir des autres Telangana, Boué, Bozo Banga, Bozo Banga. Bisot aux oignons, quoi, Matos, Téléma, Tos, Téléma, Bo Téléma, Bozo à pouvoir. Na Congo, on a vu Congo à Soda Bazate, armée Zalagana Moté. Bino bozo tele matin minduki yango bazana ngo combien na kin baza combien d'habitants na Kinshasa wana soyi botele mi et ko bujete botele mabozo pouvoir yango wana zo tele na balabala. Merci victoire yango wana ingeta.